C'est déjà terminé entre Barbara et Benjamin, dans Secret Story 11. Après leur nuit dans la Love Room, Benjamin a admis à la jeune femme qu'il avait encore son ancienne petite amie dans la tête. Des révélations qui ont refroidi Barbara. Après une explication, les deux habitants de la maison des secrets ont donc pris la décision de ne pas poursuivre leur histoire pour le moment et de rester bons amis. J'apprécie vraiment Barbara. C'est pour ça que j'ai besoin de temps, a confié le candidat qui a déjà participé au JO à Benoît. Pendant ce temps, Barbara tentait d'essuyer ses larmes. Mauvaise nouvelle pour Laura. Un nouvel indice a été livré par La Voix. Honoré s'est empressé de s'en emparer alors qu'il était destiné à Alain, ce qui a donné lieu à une grosse altercation entre les deux candidats. Tous deux ont failli en venir aux mains et le mari de Camilla a détruit l'indice avant de s'en prendre au mobilier. Un comportement inadmissible qui a poussé La Voix à le sanctionner pour geste mal placé. $30 marrons seront ajoutés dans l'urne pour la loterie du jour. Nomination particulière cette semaine. Les habitants de la Maison des Secrets doivent s'affronter au cours d'épreuves collectives. Leur objectif? Ne pas terminer dernier, afin de cumuler un maximum de billes, sachant qu'une bille équivaut à un vote contre l'habitant de son choix. Plus les étudiants obtiennent de billes plus, ils mettent le candidat de leur choix en danger donc. Pour la première épreuve, tous se sont affrontés au cours d'un petit bac. Et c'est contre Benjamin qu'il y a eu le plus de votes, une fois le jeu terminé. Il est donc nominé aux côtés de Jordan, qui on le rappelle est nominé à vie à la place de Camilla. Ça me déçoit, mais en même temps, c'est bien fait pour lui. Il n'avait qu'à pas me dire qu'il voulait retourner avec son ex, s'est réjouie Barbara. Le secret de Charlène et Benoît est en danger. Le couple a reçu une mission qui consiste à s'embrasser en moins de 15 minutes sur une croix dans le jardin à chaque retentissement d'une musique spécifique pour éviter qu'un indice sur leur secret commun ne soit dévoilé. Sauf que Jordan a en partie compris ce qu'il se tramait. Noré s'est donc mise en tête d'éloigner le bobo de cette piste. Il n'a donc pas apprécié quand Shirley, qui est l'une des gardiennes des secrets, a tenté de s'en mêler. Et il ne s'est pas gêné pour lui dire « On n'a pas besoin de toi. » Mais quoi qu'il en soit, Charlène et Benoît ont réussi une mission bisou, aidés par Noré. Quelques minutes plus tard, la bulle de la Joconde a donc délivré un indice capital sur le secret d'un autre habitant, Shirley. Un indice dont Jordan s'est empressé de s'emparer. Il s'agit d'une pomme d'amour. Barbara en a donc profité pour avancer dans sa mission avec Shirley. Pour rappel, les jeunes femmes doivent se faire passer pour des ex. La grande amie de Laura a donc confié à Jordan que selon elle, l'indice était lié à l'amour. Et plus tard,
Elle lui a clairement confié qu'elle était sortie avec Shirley et lui a demandé de l'abuser. Sans surprise, Jordan est tombé dans le panneau et devrait bientôt s'en mordre les doigts. Il a fallu attendre la fin de l'émission pour découvrir la sanction de Noray. 30 de ses billes ont été mises dans un bocal. Si l'une de ses billes est tirée à l'issue de la prochaine épreuve, il sera nominé aux côtés de Benjamin et Jordan.